Smart Aquaponics, it's an Interreg project with 14 partners from France, from Flanders and Wallonia. We want to encourage the professional sector to develop their aquaponics systems. In University of Liège, we have the chance to coordinate this nice project. It fits perfectly with our activities because we are developing urban agriculture systems and we work a lot on aquaponics, and we have two systems in Jeanbleu at the University of Liège. With the partners, we want to develop an application for smartphone, for computer. People will be able to learn. The second chapter concerns the simulation of systems on computers. And the third one is to monitor the system, real system indeed. Le but ici sur cette ferme urbaine, c'est d'amener tous les systèmes de production aquacole d'une part au rez-de-chaussée et les systèmes de production horticole ici dans la serre à leur plein potentiel de fonctionnement. Smart Aquaponics, ça nous a permis dans l'espace aquacole d'installer des sondes qui nous permettent de mesurer en temps réel la quantité de minéraux présents dans l'eau et le potentiel hydrogène ou le pH. De mesurer aussi le taux d'oxygène, ce qui est très important pour la vie et le bien-être des poissons. Au niveau de la serre, on a trois sondes qui nous permettent de mesurer la quantité de lumière reçue, la température et l'humidité. Donc ce sont des valeurs qui sont hyper importantes aussi pour comprendre la croissance des végétaux. Welkom op het PCG. Het PCG is een praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in de groenteteelt. En we voeren hier ook onderzoek uit op aquaponics. Zo hebben we al heel veel nieuwe inzichten verworven waarmee we telers kunnen adviseren. Onze viststal is gelinkt aan planten op goten, zoals je hier ziet. En daarmee kunnen we dan verschillende proeven uitvoeren. We kunnen dan eigenlijk de gegevens van de viststal en de serre in één interface visualiseren. En dat is heel handig, want anders moeten we de gegevens van de verschillende sensoren op verschillende plekken gaan zoeken. When you open the application, you see learning and dashboard. You can go and click on learning, and then you see different parts. And for example, you go on fish, and on fish you put on tilapia, and you will know everything about tilapia, and you will be able to learn about it. If you want, you go back, and you can also see, for example, sensors. And you can see different name of sensors, and you can learn more about different sensors. And another point, if you see here the line, you can see here on the top, a monitoring of my system, live, indirect, and you can see pH, for example, or nitrate concentration. And if you want to go in more detail, you click on dashboard, and you see your systems. We bevinden ons in het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk. Het is een tuinbouwschool waarbij dat we focussen zowel op het plantgerichte, maar dat we ook gaan kijken naar de dieren. Hier in het labo gaan we onze wetenschappers, dus ASO-wetenschappen, biotechnische wetenschappen, gaan we hier ter plaatse gaan gebruiken om verschillende onderzoeken die we hier op school doen, om daar eigenlijk de leerlingen in te betrekken. Daarvoor hebben we enerzijds een project aangegaan, het Smart Aquaponics project, waarbij dat de Howest een aantal sensoren heeft geïnstalleerd en deze heeft gevisualiseerd op dit tv-scherm. Ici à Junia, l'utilisation des technologies est au cœur de nos activités d'enseignement et de recherche. Et ceci pour contribuer aux grands enjeux tels que nourrir durablement la planète ou assurer la transition numérique. Nous avons plusieurs systèmes aquaponiques équipés de divers capteurs et nous utilisons ces démonstrateurs pour illustrer nos cours auprès de nos étudiants de 4e et de 5e année. Les données issues de ces capteurs vont pouvoir être valorisées grâce à une application comme celle proposée par Smart Aquaponics. On va extirper un maximum de données pour comprendre comment les choses se passent au niveau des poissons et au niveau de la production végétale et analyser toutes ces données. Et le deuxième but, ce sera de vendre nos productions à nos partenaires qui se situent là, à 200 mètres derrière nous, pour développer le circuit de production, un circuit court en production, en distribution alimentaire. Si vous devez vous former, si vous devez concevoir un système avant de l'implanter, ou si vous avez votre système et qu'il est
en train de fonctionner. Vraiment, nos outils peuvent vous aider et nous vous invitons à aller voir notre site internet Smart Aquaponics et là-dessus, vous allez trouver toute la documentation, tous les outils auxquels vous aurez accès qui pourront vous aider et vous accompagner.